capricieux, ces systèmes-là. Ah ben là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est capricieux. Allez, bonsoir Fatia et bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Donc, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi. Ravi, merci. Et ben voilà, je t'invite à nous exposer tes points alors. Oui, alors, avant tout, ce sont des points. Le premier point, c'est la santé. Donc, j'ai subi une perte importante de cheveux. Donc voilà pourquoi les yeux ils sont très sensibles et facilement irrités et inflammables. Ensuite, j'ai aussi le système digestif qui est ralenti, fortement ralenti. Donc voilà aussi pourquoi. Après, j'aimerais voir aussi la lymphe, parce que j'ai la lymphe, le système lymphatique qui est aussi qui est ralenti. Et voir aussi la rate, si tout va bien. Et le psoas, j'ai le psoas du côté droit qui est plus tendu que celui du côté gauche. Le côté Le gauche, quoi, le le... psoas, c'est un grand muscle qui relie l'articulation de la hanche avec le diaphragme. Et puis, voilà, enfin, et les jambes. D'accord, donc ça relie l'articulation de la jambe. C'est ça. Je m'instruis là, Oui. hein. À quoi d'autre alors? Donc ça relie les muscles de la hanche, donc l'articulation de la hanche, De la hanche, d'accord. au diaphragme et aux abdominaux. Voilà. D'accord. C'est ce qui permet la mobilité de la hanche, c'est-à-dire latérale, devant, derrière. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a alors dans ce muscle? Donc le droit est moins mobile. Il est beaucoup plus la mobilité est restreinte, est beaucoup plus restreinte. Le côté gauche c'est parfait, hein, D'accord. et le droit ben voilà. Donc ensuite alors j'ai eu des problèmes de santé toute petite. Donc ça a été suite aux premières vaccinations. Voilà, enfin, les vaccinations, vous savez, imposées à l'école, enfin, on était parents, et puis allez hop, à la chaîne. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, ben, j'ai pas arrêté de tomber malade. Ensuite, j'ai eu mon fils, hein, et à la suite de ça, il y a eu l'épisode, je sais pas si vous vous rappelez, de se faire vacciner contre l'hépatite B. C'était la grande Ouais. mode, c'était dans tous les médias, les médecins, ils étaient tous à vous vendre le vaccin, bon bref. Donc, bah, à l'époque, j'étais ignorante, enfin, bon, j'avais pas une ouverture de conscience comme Comme nous tous. et donc, j'ai été convaincue par mon médecin de me faire vacciner contre l'hépatite B, et là, ça a été une tempête, un ouragan immunitaire, et donc j'ai eu une pathologie au niveau intestinal, ensuite bah, enfin, des problèmes partout, des problèmes au niveau articulaire, au niveau des yeux. Alors, tout ce qui est articulaire et digestif, ça, en ayant une prise de conscience et comment dire, en faisant corps entre mon esprit, ma conscience et mon corps physique, j'ai pris la responsabilité de m'alimenter correctement, c'est-à-dire de fournir à mon corps physique des aliments organiques, parce qu'il est organique, mon corps, il n'est pas chimique ou encore, il n'est pas encore mécanisé, on va dire. Donc, et ensuite, c'est aussi un travail sur les émotions, parce que les émotions aussi, la vibration émotionnelle impacte aussi le champ du corps physique, et puis les autres corps aussi plus subtils. Donc voilà, il y a eu un travail, on va dire, de conscientisation, de prise de conscience de beaucoup de choses, de tout ce qui se passe autour de nous, en nous et autour de nous. Voilà, donc ça m'a amené en fait à réduire des symptômes
Donc j'ai arrêté tout ce qui était, bon, il ne faut pas le dire, mais bon, je le dis quand même, j'ai arrêté tout ce qui était médicamenteux. Bah Voilà. oui, non, mais c'est ta responsabilité, Ah c'est ton choix aussi, donc hein. donc ça n'engage que moi, hein. Ça Bien n'engage sûr, ni patient, oui, ni tout à annulateur. fait. Ça Voilà, n'engage tout à fait. que moi. Et donc ensuite, j'ai été opérée 2 fois. Et justement, à ce propos, j'ai été opérée, donc j'ai subi une résection intestinale à la suite de cette vaccination. Une quoi, une? Une résection, c'est-à-dire quand on vous coupe les intestins. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des parties d'intestin qui se perforent, qui se nécrosent, donc qui meurent. Et du coup, ben, vous avez une infection qui se généralise. Et là, il faut vous opérer en urgence pour voilà, vous couper les morceaux. Sympa. Voilà. Donc là. Oui, là, donc à la suite de ces opérations-là, j'ai eu la pose d'agrafe métallique, donc chirurgicale. Et je voudrais savoir si ces agrafes, donc ces implants, interfèrent dans mon champ bio. Bon, on peut déjà les isoler en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai aussi des implants dentaires. Au niveau des molaires. Et donc, savoir aussi, voilà, ça va sûrement interférer dans le champ électromagnétique du corps. Et voilà, si c'était possible de neutraliser ça. Ensuite, voir aussi, parce que comme j'ai pris énormément de. J'ai été vaccinée, donc avec des métaux lourds, bien sûr. Plus j'ai dans l'alimentation, enfin, je dois avoir un amas, on va dire, de métaux lourds dans le corps. Donc j'ai fait un travail de détoxification des métaux lourds, mais je voudrais savoir s'il reste quelque chose encore en métaux lourds et notamment en nanoparticules. Que, bon, voilà. Donc les neutraliser ou les déprogrammer. Enfin, voilà. Ensuite, j'aimerais aussi savoir si c'est ma première incarnation. Voilà. Si c'est ma première incarnation, bah, et même si c'est pas la première, c'est pourquoi, voilà, pourquoi je suis incarnée ici. Bon, ça, c'est pas une question, tu sais que c'est ce qu'on va voir en fait dans le travail, donc Ah, très bien. hein. Bon, parfait. Ensuite, enfant, j'avais des capacités de médium, de canal. Donc, je voyais, je percevais des choses que les gens ne percevaient pas, ne voyaient pas, et j'entendais aussi. Et j'avais aussi une capacité à communiquer avec certains animaux. Et donc, là, ça s'est arrêté. Voilà. Ça a commencé à diminuer, cette capacité-là. Et puis là, ben, voilà, c'est un peu, on va dire, depuis, surtout depuis le confinement, ben là, voilà, il n'y a plus cette capacité-là. Donc, Jusqu'au confinement, tu avais encore cette capacité? c'est ça. Ah oui. Et petit à petit, elle a commencé en fait à diminuer fortement jusqu'à ne. Enfin, voilà, là, j'ai plus de. D'accord, on verra ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Ah oui, alors, comment être invisible dans la matrice? C'est un doux rêve, ça. Ça, c'est une décision. Voilà. Et des systèmes matriciels. Ensuite. Quel est mon pourcentage d'éveil à ma conscience et à la source? Alors bon, suis-je interféré? Ben ça, c'est dans le processus. Oui, ça, c'est des questions qui ne se posent pas. C'est le travail, hein. Ensuite, comment me libérer de la matrice astral lors de ma décorporation.
Parce que bon, ça, voilà. Ah oui, alors, comme je rêve énormément, ma question c'est dans quel plan, quel est le plan ou les plans dans lequel ou lesquels je voyage dans les rêves pendant l'endormissement du corps physique? Et question à ce propos, suis-je programmé durant cette phase? Suis-je programmé et interférer durant cette phase. Parce que j'ai la sensation que dans cette phase, je suis interférée. Alors, est-ce que c'est concret, réel ou pas? D'accord. Ensuite, alors, est-ce que... Est-ce que tu as beaucoup de questions encore? Je t'avais dit une dizaine, hein, donc. Et là, il y en a Et combien? puis là, bon. Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que sur le plan de la santé, il y a beaucoup de questions. Alors, c'est difficile de dire, c'est une question, c'est un point, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Donc, voilà, je dirais qu'avec tout ce que tu as posé, tu en mets encore une ou deux et c'est bon, quoi. D'accord? OK. Mais tu prends vraiment ce qui est essentiel pour toi, parce que le reste prendra son sens dans le travail, si tu veux. Ouais. Ah oui, voir la programmation liée à la vibration de l'argent. Alors c'est quoi le problème? C'est que tu veux activer l'abondance dans ta vie, c'est ça? Oui, Voilà. c'est ça. Ok. Bon. Parce que je perçois qu'il y a une programmation de limitation. Oui, bien sûr. Oui. Oui, surtout dans ce domaine. Hein. Oui. Enfin, dans tous les domaines, on remarque, mais bon. Ah oui, alors ça rejoint un peu l'activité, ce qu'on enfin, bon. Donc j'ai un intérêt pour l'ésotérisme et notamment pour l'astrologie, la numérologie. Et également pour les codes de Grabovoi. Bon. Alors, concernant l'astrologie, vu que j'ai la perception que la Lune est un, comment dire, est artificielle, donc ma question c'est, est-ce que du coup ça impacte l'astrologie? Bien sûr. Si ce n'est pas un satellite de la Terre, si c'est artificiel, ben forcément l'astrologie, vu qu'elle se base sur la Lune, pour y déterminer les émotions, donc ben, ma question, vous voyez, c'est qu'en est-il? Hein? Oui, bien sûr. Par rapport à l'astrologie, Voilà, on donc, regardera ça. Ouais. voilà. OK. Et donc savoir si c'est vers cette activité que j'ai à, comment dire, à utiliser dans ma vie de tous les jours pour m'épanouir et puis pour travailler avec, quoi. D'accord, tu veux savoir si c'est en adéquation avec toi, c'est ça? Voilà, Hein? c'est ça. J'avais compris. Ok, bon, on verra. Ok, Voilà. est-ce Et que il y a des... dernière Oui. question. Quelles autres capacités ai-je à développer ou à conscientiser pour exprimer pleinement mes potentiels essentiels? Ok. Voilà, j'ai fini. Bon. Est-ce qu'il y a des personnes que tu veux inviter? Ah oui, ah ben oui. Alors, mon chéri, D'accord. mon fils. Et mes frères, voilà. D'accord. Tu veux qu'on invite ta famille en général ou Non, mes frères, pas mes frères, ma combien? famille, Tu as combien de frères? mais 4 frères. 4 frères. D'accord. Bon, on verra qui vient. Voilà. Bien, je te laisse couper le son et on y va.
Bien. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Vingt-six mille sept cents. Parfait, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 379. Ok, je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Fatia et dis-moi comment tu la vois. Il y a une grande fragilité dans son espace énergétique. Il s'est désynchronisé. Tous ses corps avec à la base l'élémental du corps physique sont en action de compensation pour maintenir l'équilibre. Ça lui prend beaucoup d'énergie. Elle arrive à se maintenir, à flotter à la surface, en quelque sorte. Mais c'est toujours à la limite du déséquilibre. Ok. Il y a deux éléments qu'elle tente de mettre en équilibre sans arrêt à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si elle avait deux types d'essence en elle. Ah oui. Alors si c'est bien elle, mais c'est le support physique qui n'est pas en équilibre parce qu'il y a une partie qui est d'origine non humaine et qui donne cette fragilité et cet effort constant pour pouvoir rester stable physiquement dans le monde des humains. Alors, est-ce que tu veux dire qu'il y a une partie de son ADN qui ne lui appartient pas? Oui. Et cette partie-là est beaucoup plus légère en fréquence que la partie humaine. Alors, quel pourcentage de partie d'ADN qui n'appartient pas? 15%. Et elle vient d'où? Je sais pas d'où ça vient, j'ai seulement une image humanoïde bleue, mais c'est un bleu blanc, semi-transparent, très fin, S-I-R-V-I, Sirvi. Je ne sais pas ce que c'est les sons qui viennent. Il y a une fuite en avant et une sorte d'obligation de trouver une accroche, de trouver un terreau sur lequel venir fixer la mémoire. Tu parles de qui? Tu parles de cette humanoïde? Oui. Ok. Elle a déposé une partie d'elle ou de son information sur intégrée à de l'humain pour pouvoir continuer à exister d'une certaine façon, pour pouvoir conserver la mémoire au cœur des cellules. Mais cette partie-là est la partie humaine, ne vibre pas à la même fréquence. Donc, il y a toujours un équilibre à maintenir, une c'est attention. Ce qui la fragilise. C'est ça, une attention à porter. D'accord. On va aller voir exactement quand ça a eu lieu, ça, cette incorporation de cette partie de l'ADN. Je compte à trois et ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. Dis-moi où ça t'amène. Il y a quelque chose de très chaotique en amont avec une gerbe d'étincelles comme une sorte de feu d'artifice, mais c'est plutôt une explosion qui a généré de multiples étincelles qui sont disséminées
dans plusieurs espaces, dont la Terre, dont l'espace terrestre. Donc la D'accord. partie qui est en elle et qui fait partie d'elle d'origine non humaine une ou est une conséquence ou est la mémoire conservée d'une de ces étincelles. D'accord, et nous sommes où là? Il y a une arrivée en catastrophe dans notre univers et la gerbe d'étincelles, elle est dans notre univers au terme d'une sorte de voyage court, chaotique et brutal. Et si je remonte encore en avant, il y a une fuite. Il y a un lieu de vie qui n'est plus, qui a disparu, et des départs précipités de vaisseaux. Et c'est sur quel, c'est dans l'autre univers ou un autre? Non, ça n'est pas dans notre univers, parce que les départs précipités se font par des trous de ver, et ça part dans toutes les directions. Donc il y a un des trous de ver qui est arrivé dans notre univers, ou dont l'arrivée ou la sortie, si tu préfères, débouche dans notre univers. Ok, et une de ces Les étincelles, donc, autres, c'est ailleurs. une de ces étincelles, c'est cette présence bleue, cette Oui. humanoïde, c'est ça. Oui. Et à quel moment est-ce que cette humanoïde a rencontré Fatia? C'était avant d'entrer dans l'espace terrestre. Il y a une sorte d'accord, d'alliance en quelque sorte, d'acceptation de conserver ce type d'essence ou cette mémoire. C'est plutôt sous forme de mémoire. D'accord. Et j'aimerais que tu en ailles voir le moment de cet accord, de cette alliance. J'aimerais savoir comment ça se passe. Donc tu y vas. 1, 2, 3. Ça se passe quand elle est poussière d'étoiles. Ça se passe avant d'entrer dans l'espace terrestre. Ça se passe au moment où la conscience de Fatia est poussière d'étoiles, où elle est en une sorte de dérive passive et curieuse dans l'univers. N'ayant pas pris de décision encore sur quel plan ni sur quel espace-temps elle va se manifester, ni de quelle façon. Et quand il y a cette gerbe lumineuse, cette explosion avec toutes ces parties lumineuses qui s'échappent, elles viennent se mêler aux poussières d'étoiles. Et c'est une de ces parties lumineuses qui est venue l'a rencontrée. Elles se sont croisées, une sorte de tourbillon. Il y a quelque chose de similaire dans les fréquences. Ce ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, c'est suffisamment proche pour qu'elles puissent se poser là et qu'il y ait cette entente. D'accord. Et l'entente, c'est fait comment finalement? Quelque chose s'est négocié, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé? La question a été de demander, d'accepter, de porter la mémoire de cette fréquence-là, de continuer à la faire vivre. La réponse a été oui, parce que c'est quelque chose de supplémentaire par rapport à l'expérience. C'est intéressant, même si c'est plus complexe.
Donc la suite a été l'incarnation humaine. La suite a été l'entrée dans l'espace terrestre et le passage dans la matrice artificielle. D'accord. Le fait qu'il y ait eu alliance de ces deux types de fréquences, ça alourdit en quelque sorte la fréquence générale de cette poussière d'étoiles qui a pris en quelque sorte comme ce bagage mémoriel avec elle. Et par un effet de courant cosmique, ça l'a entraînée vers l'espace terrestre. Rien n'était déterminé au départ, mais là, le fait d'avoir ce surplus, on va dire, de densité, ça l'a entraîné vers l'espace terrestre. Très bien. Et ça correspondait à un besoin par rapport à sa curiosité, par rapport à ses Oui, intentions? c'est quelque chose de, c'est une option supplémentaire, intéressante de curiosité, une richesse supplémentaire qui est venue se proposer là et qui a été acceptée. Très bien. Et donc là, ça concerne la toute première vie sur Terre. Oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Mais ça concerne celle-ci. C'est cette vie-là? Donc il n'y en a pas eu d'autres avant. Non. Est-ce qu'il y a eu d'autres boucles? Ou c'est la seule? Je parle sur Terre, hein, bien sûr. Il y a eu d'autres boucles, mais lointaines. Et qui, c'est presque comme si c'était des essences différentes, parce que elles ne portaient pas cette double information. C'était des émanations de son soi supérieur, mais qui n'ont rien à voir avec elle ici. Exact. Hein? D'accord. Donc ça ne s'intéresse pas, enfin pas dans le cadre de ce travail. Donc c'est la seule existence humaine qu'elle connaît sur Terre. Oui. C'est dans ces conditions. Oui, mais elle arrive fragilisée par le poids de l'information qu'elle porte en elle. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est consciente que cette mémoire qu'elle porte, cette partie d'ADN qu'elle porte en elle, l'alourdit et est un handicap pour elle? Elle le ressent. Mais elle ne le ressent pas comme un handicap. Elle le ressent comme une occasion d'enrichir l'expérience sur ce plan. D'accord. Bon. Très bien. Alors, regarde là, ici et maintenant. Scanne là et dis-moi ce que tu vois d'autre. Mais il y a toujours cette grande instabilité au niveau des corps subtils, jusque dans la physicalité. Il y a une sorte de couvercle qui est au-dessus d'elle. D'où est-ce qu'il vient ce couvercle? C'est comme une sorte de nuage sombre qui est au-dessus d'elle. Couvercle lourd qui vient rajouter à sa fragilité. C'est comme si elle avait été repérée de par cette double nature et qu'il y a un appui et une tentative d'étouffement sur ses failles, sur ses faiblesses, sur ses fragilités. Avec une sorte c'est ça, de couvercle pour appuyer dessus, étouffer, faire disparaître. Et de qui s'agit-il alors? C'est des présences reptiloïdes qui sont en train de se partager l'espace terrestre.
il y a comme une sorte de sélection au niveau du cheptel humain dans l'espace terrestre qui est en train de s'effectuer. Alors, c'est pas seulement ici et maintenant, c'est comme si ça avait déjà eu lieu et ce à des intervalles réguliers, comme s'il y avait eu des coupes à faire dans un troupeau qui devient trop difficile à gérer parce que trop grand en nombre. Il y a une sorte d'uniformité qui est recherchée et elle ne rentre pas dans le cadre de cette uniformité. Donc elle fait partie des éléments qui sont repérés comme étant différents et qu'il convient de mettre sous le couvercle pour qu'ils s'éteignent tout seuls. Un petit peu comme quand tu mets, tu sais, tu as la flamme d'une bougie et si tu mets, si tu recouvres cette bougie avec un verre, par exemple, la flamme s'éteint parce qu'elle n'a plus d'oxygène. C'est le même principe. D'accord. Est-ce que c'est la seule action que ces reptiloïdes ont eue sur elle, ou tu vois d'autres choses? Il la considère comme quantité négligeable parce que trop faible. Et à terme, il considère que ce type de couvercle suffit parce que cela permet de le faire sur plusieurs consciences humaines en même temps. Donc ça ne leur demande pas, on va dire, d'efforts particuliers. Ok. Alors, si tu continues à scanner, est-ce que tu vois d'autres choses? Il considère qu'elle va se décourager toute seule, se laisser tomber toute seule. C'est ce qui est recherché. D'accord. Non, sinon, il n'y a rien d'autre hormis cette grande instabilité et fragilité de tous ces corps. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, à part ses 15%. C'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, je vais convoquer. D'abord, j'aimerais savoir, donc elle dit que pour elle, c'est une expérience intéressante d'avoir ces 15% en elle. Est-ce que ça veut dire qu'elle veut le conserver? Oui. Malgré les fragilités que ça a créées dans sa biologie et dans toutes ses autres parties? Oui, elle veut trouver l'équilibre dans ce type précis d'humanité. Elle sait que c'est possible. C'est ce qu'elle me dit. Bon, ok. Si c'est sa demande. Bon, alors, donc, elle m'a donné son accord. Je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elles soient d'accord ou non, qu'elles le veuillent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui, donc il y a ces sortes de, il y a ces sortes de reptiloïdes brutaux qui parcourent ces couvercles qu'ils ont installés un peu partout dans l'espace terrestre. Ça résonne, ça met des fréquences basses. C'est comme s'ils piétinaient ces couvercles. C'est comme un bruit sourd, menaçant qui est au-dessus. Il y a des sortes de chenilles blanches, des parasites du bas astral, qui sont là et qui tentent de profiter de son instabilité, de ses corps subtils. Ils tentent de se glisser en elle. Ils l'ont déjà fait. Elle les a éjectés, mais ils ont laissé de leur espèce de substance gélatineuse
au niveau éthérique. Qu'est-ce que ça lui a causé comme problème? C'est venu fragiliser encore plus sa physicalité. C'est venu ralentir ses flux d'énergie dans son corps physique. C'est venu influer plus particulièrement sur son système digestif, comme une sorte de colle. Ça fait comme une sorte de colle, ça coupe l'information, comme une sorte de coton gélatineux et collant. Et ça se situe à quel endroit de sa physicalité, ou en tout cas de ses corps énergétiques? Alors les restes qu'elle a, c'est comme s'il y avait des morceaux de ces choses-là qui étaient restés en elle. C'est surtout au niveau de son appareil digestif et intestinal. Et il y a encore quelques morceaux qui sont dans son espace énergétique, mais hors du corps physique. D'accord. Très bien. Alors, que vois-tu d'autre? Il y a des sortes de, on dirait des sortes de fantômes, mais ce ne sont pas des désincarnés. C'est des présences démoniaques qui rôdent. Elles rôdent sous ces couvercles. Et tout ce qui est trop faible, tout ce qui perd pied, en termes de conscience humaine, elles sont là pour les entraîner dans des densités plus basses. Qu'est-ce qui lui a causé comme problème alors? Donc ça crée concrètement une menace sourde qui est au pied. Si tu tombes, tu es entraîné. C'est une menace qui est venue apporter de la confusion, de l'anxiété, la sensation d'être encore plus fragile que ce qu'elle n'est en réalité. D'accord. Ok. Sensation de vulnérabilité. C'est ça. Bien. Que vois-tu d'autre? Proche d'elle, c'est tout. Après, quand je remonte au-dessus de ces couvercles, il y a les présences démoniaques organisées en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Parfait. Alors, donc, elle va exprimer à ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacitement, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tout ce qui n'appartient pas, donc tout dispositif et tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie ou conscience d'origine, donc s'en va avec traces, mémoire et empreintes. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, on la met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Elle en aspire substance, énergie et vitalité. Oui. Elle se ravigore. Oui. Elle se connecte à son essence et fait descendre information, conscience, énergie, puissance, amour. Oui. Et de son chakra cardiaque, elle rééquilibre tout ce qu'elle peut rééquilibrer. Oui, c'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, d'abord, tu vas la scanner. Regarde à l'intérieur, sur et autour d'elle.
Comment tu la vois? Tout est un petit peu en désordre dans cette bulle. Mais il y a comme une sorte de calme qui s'est installé et qui vient faire un équilibre. Donc c'est équilibré. Bien, on va aller voir où réside son soi supérieur. Il est sur le plan moronciel. Il observe avec intérêt. Bien, comment tu vois son âme? Elle est très légère, son âme. C'est à peine si je la perçois. Ben oui, c'est la première incarnation. Il y a quelque chose, il y a quelque chose même d'irréel en fait dans la notion d'âme, la concernant. C'est comme si elle était presque irréelle et inexistante. C'est plus la potentialité qui est là que l'âme elle-même. D'accord. Oui, c'est sa seule incarnation, donc elle n'a pas eu le temps de se créer une âme, c'est ça? Il n'y a pas de contenu mémoriel? C'est ça. Elle est là, mais sans contenu mémoriel. D'accord. Et sa partie subliminale, comment la vois-tu? Elle est extrêmement légère, au-dessus, donc elle est au-dessus de ces couvercles là que j'ai vu tout à l'heure. Mais c'est par protection, pour ne pas être aspirée dans des basses fréquences. Mais comme elle s'est éloignée, c'est comme si quelque part elle avait laissé tomber la partie physique. Bien. Alors, j'aimerais savoir quelle est la partie d'elle qui s'est exprimée en disant qu'elle voulait conserver ses 15% d'essence qui ne lui appartient pas. C'est la partie subliminale. Ok. Est-ce que la partie subliminale considère que sa partie physique a aussi son mot à dire? Oui, mais il y a accord entre la partie physique et la partie subliminale. Ok, mais la partie physique est en train de me dire non. Donc, s'il y a eu accord, ça veut dire qu'elle rompt l'accord. Et elle me dit oui. La partie subliminale coupe. Elle coupe pas un lien, elle coupe quelque chose. Qu'est-ce qu'elle coupe? Elle coupe la partie de l'accord qui est de son côté. Ça lui redonne, le fait d'avoir coupé cet accord, ça lui redonne comme une sorte de consistance plus dense, plus énergisée. À qui? À la partie subliminale ou à la partie physique? La partie subliminale. Ok. Je ne sais pas ce que fait la partie physique, je ne suis pas dessus. Mais là, la partie subliminale, elle a coupé c'est comme une sorte de corde ou de cordon ombilical qui était de son côté. Et en se rétractant, c'est venu lui apporter de la densité et de l'énergie. Et ce faisant, comme étant devenu plus dense, ça l'a rapproché automatiquement de la partie physique. Alors, n'est-ce pas une expérience plus intéressante pour elle? C'est moins déséquilibré, c'est plus stable. Bon. Mais la partie subliminale était fidèle à ce qui avait été déterminé auparavant. D'accord. On peut être fidèle tout comme on peut décider de ne plus l'être. Exact. Bien. Et c'est ni bien ni mal. Non, c'est un chemin parmi d'autres. Parfait. Alors maintenant, tu vas t'intéresser à la partie physique. Regarde quelles sont les conséquences pour elle maintenant. Pour la partie physique aussi, il y a eu cet effet d'être énergisé.
Elle reprend de l'énergie et de la densité ou pas? Oui. Très bien. Regarde si son ADN comporte toujours ces 15% ou si par conséquence, ils ont disparu. Non, ils sont toujours là, mais ils se sont nettement, c'est comme si ça ressortait en surbrillance. Ils se sont nettement séparés de ce qui est humain. Ok, mais c'est toujours là. Mmh. Bien, alors à présent, on va les éliminer. Donc, je compte à 3, on élimine tout ça sur tous les plans. Donc, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, on élimine. C'est fait. Elle va remplacer par son propre, ses propres programmations, ses propres essences. Oui, c'est fait. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a un nouvel équilibre qui s'est créé dans la bulle de protection et c'est plus dense, donc plus adapté à l'espace terrestre tout de suite. Et c'est stable. Alors c'est stable, mais pas accroché. Oui, on n'a pas C'est-à-dire... terminé. Oui. C'est un premier pas. Bien. Demande à son soi supérieur s'il est adéquat à présent de partir directement du plan Morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel initial. Oui. Alors c'est ce qu'on fait tout de suite. Je compte à trois et on y va. Un, deux, trois. Oui. Alors demande-lui. Je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Bien. Alors je lui propose d'aller directement à l'orée de cette incarnation, donc en tant que Fatia, pour refaire une nouvelle ligne de temps et créer son incarnation à neuf. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par la case matrice. 1, 2, 3. Oui. Demande-lui maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Fatia? Exprimer son potentiel, utiliser toutes les possibilités mises à disposition dans ce carrefour, ce croisement de lignes temporelles. Elle fait allusion à l'époque où nous sommes maintenant. Il y a beaucoup de remous. Oui. Et Elle voit. il y a le désir, il y a la volonté de saisir un maximum de possibilités, d'explorer un maximum de potentialités, D'accord. Comment est-ce qu'elle pense? de saisir la richesse du moment ou des moments que traverse l'humanité maintenant. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour cela, physiquement? De quelle manière compte-t-elle s'y prendre? Il y a des apprentissages, comme s'il y avait des apprentissages à mettre en place, desquels elle va retirer comme une sorte de synthèse pour créer sa propre voie. Quelle sorte d'apprentissage? C'est sur le plan de l'énergie. Parce que c'est pas sur le plan physique. Ça, il y a une base physique qui va servir, je ne sais pas comment, pourquoi, et sur laquelle elle va s'asseoir, qui va lui permettre de se stabiliser pour pouvoir explorer et choisir sa ligne de temps. Mais c'est ça dépasse le cadre de la troisième dimension. Donc c'est des explorations dans d'autres dimensions. Et Très ça bien. passe par l'énergie. Bien. Ok. Alors, à quel moment elle choisit d'entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. Bien.
combien est-ce qu'elle est connectée, quel pourcentage à son essence à ce moment-là? 97%. Alors, habite là, à monter à 100%. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Elle va regarder son arbre généalogique et décider de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 80%. Et pour la partie restante, elle laisse l'information à disposition. Bien. À présent, elle regarde son ADN. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement ou partiellement? Réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire et empreintes. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. Alors, avec le gabarit de l'arbre de création, elle le refait à 9, avec dans la meilleure version, compte tenu de ses objectifs. Oui. Bien, combien est-ce que tu vois des 10? Alors, il y en a deux et une troisième en arrière-plan, mais qui est là simplement en potentiel. C'est-à-dire que suivant les orientations qu'elle prendra, elle sera activée ou non. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut s'installer de nouveaux programmes? Oui, ça s'est déjà mis en place. Très bien. Alors, quels sont-ils? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y aura de différent pour elle? De nouveau? C'est des programmes de stabilité et d'adaptation au plan 3D. En termes de perception, etc., est-ce qu'il y a des programmes qui ont été installés pour accroître ses perceptions et ses possibilités? Oui, il y a des... Comment on pourrait dire ça? Des systèmes d'antennes complémentaires qu'elle a installés et qui vont au-delà de la 3D et qui sont déployés dans le domaine de l'extrasensoriel. Bien. Alors, on va regarder les programmes arcs quantiques. Toutes les programmations de limitation, de dualité, de séparation, etc. Oui. Bien. Il convient de les éliminer? Oui. Alors, allons-y. Dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Bien. Elle va les remplacer par ses propres programmes, sa propre essence. C'est fait. Bien. Alors, elle va remonter maintenant juste avant sa naissance. Et dis-moi quel pourcentage elle est connectée à sa source en ce moment-là. 82%. Bien. Donc, elle remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui. Bien. Donc, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, dans la mémoire de qui elle est, dans tout son, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, son équilibre parfait, dans sa créativité illimitée et son pouvoir créateur illimité, sa puissance intérieure, pardon. Oui. Bien. Donc, elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. C'est fait. Sécuriser, stabiliser, sécuriser et pérenniser. Oui. Bien. Maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassé, présent, futur, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Elle déclare pour cela que tout ce qui est inhérent, attenant,
et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace, dans toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreintes, programmation, duplication, copier-coller, et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc je vais inviter Fatia à être pleinement participative de tout ce qui va s'en suivre. Hein. Tu le sais, donc imaginer, vivre, ressentir, acquiescer aussi à tout ce qui est proposé. Voilà, pour permettre une meilleure intégration. Donc, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, alliance, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archabédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Ah oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre, effacer avec système racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être, qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elles quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Fatia, tout y est proposé. Elle déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Même si c'est vrai. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui.
Je me libère aussi de ma croyance à la vulnérabilité. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis co-créatrice de toutes mes réalités, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. Et que j'entends la reprendre en main et en prendre du plaisir. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve qu'est-ce qu'elle veut conserver si c'est juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Voilà. À présent, tu vas la scanner et regarder s'il y a quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques. Non, il n'y en a pas. Parfait. Elle va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est sa mère Kaba qui apparaît, qui tourne doucement et qui est en train d'établir les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Bien. Donc elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, organes, fonctions. Oui. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Bien. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial.
Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et tous ses mouvements. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un programme enfin contre les vaccins, quels qu'ils soient dans toutes les versions possibles. C'est fait. Bien. Nous allons programmer tous ces programmes pour être stables et indestructibles. Oui. Adaptables à chaque situation et y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Installer et activer dans les deux sens l'arbre de création. C'est fait. Installer et activer la fleur de vie, la graine de vie et double lémiscate. Oui. À présent, elle crée et installe son code de vie. C'est fait. Bien. Maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, je vais éliminer toute trace, mémoire, etc., sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3, pour chacune des parties. Oui. Et je veux que chacune des parties soit connectée à son chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, Oui. au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité, Oui. et à son essence pour recevoir énergie, information, conscience, amour et puissance. Oui. À toi de jouer. Elle se déploie en espace sécurisé. Rond, elle vient se placer à l'intérieur. Là seulement, elle déplace doucement son atlas. Ça vient déclencher tout de suite cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient les réinitialiser, les réinformer une par une, qui vient les relier les unes aux autres. Et qui vient relier chacune d'elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient désintégrer et expulser hors de cette zone sécurisée des couches épaisses, sombres et dures de mémoire compressée et de traumatisme. C'est fait. Et là seulement, elle s'équilibre. C'est bon. Bien, alors elle va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Elle stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes. En lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Alors que chacun des systèmes soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, suivant sa version originelle.
Oui. Et que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. La fatigue. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glande immunitaire, hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations, surtout des plans comme précités. 1, 2, 3. C'est fait. Pour système sens extrasensoriel, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général. Oui. Il y a pas, c'est pas la peine de le refaire. On ne le refait pas à neuf. Non. Il est modifié dans sa structure, mais elle garde le même. D'accord. Donc elle fait ce qu'il faut pour isoler les parties qui ne sont pas issues de sa biologie, Oui. créer des connexions, faire en sorte de tout rétablir. C'est fait. Ok. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Alors, stabiliser, sécuriser et pérenniser tous les systèmes. Oui. Ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason lumineux. Elle vient y accorder chacun des systèmes et organes de son corps. Ça crée tout de suite des micro-mouvements dans tout le corps. Il y a une sorte d'onde, de vibration très fine qui parcourt tout le corps. Il y a chacun de ses organes, systèmes, muscles, tendons, cartilages, tout vient bouger, mais de façon microscopique. Ça vient libérer des tensions et créer de nouveaux équilibres dans tout le corps. C'est fait. Bien. La microkiné. Elle vient activer les points de connexion et ça vient déployer ses corps subtils harmonieusement. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient accorder à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours présente et disponible. C'est fait. Bien. Alors, le système des chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que ça, chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et que les glandes soient maintenant décalcifiées, nettoyées, activées, interreliées et optimisées. Oui. Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en vois-tu? Il y en a 9 activés. C'est bon. Bien, maintenant centrage et alignement. C'est fait. On va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare,
que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. Elle va équilibrer les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. C'est fait. Bien. Et pendant que son élémental travaille, nous allons faire donc sa liste. Donc, le premier point qu'elle a évoqué, c'est la perte des cheveux. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle perd ses cheveux? C'est tout le déséquilibre énergétique et cette fragilité dans tous ses corps. Il y a une fuite d'énergie vitale. Donc, l'élémental du corps recentre sur ce qui est vital. C'est comme s'il y avait des choix qui avaient été faits en termes de distribution d'énergie dans tout le corps. D'accord. Sur cette nouvelle ligne de temps, tout est rétabli? Oui, puisque là, l'énergie circule de façon fluide dans tout le corps et dans tout son espace énergétique. Ok. Est-ce qu'il reste des traces, mémoire ou empreintes? Est-ce qu'il reste des traumatismes ou autre chose? Des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Ok, alors on élimine sur tous les plans, comme précité partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui. On réinforme et on stabilise. Oui. On connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. On stabilise, on sécurise et on pérennise. Oui. Elle peut y renvoyer de la vitalité nécessaire, supplémentaire. Oui, c'est ce qu'elle fait. On peut réensemencer de cellules souches. Oui. Et arroser avec de l'eau primordiale. Oui. Très bien. Tout ça à la pleine lune. Je rigole. C'est fait. Ok. Donc, ce qui fait qu'elle a les yeux sensibles, qui sont souvent irrités, inflammables. C'est une sorte de sur-réaction. En fait, tout est désorganisé. Enfin, tout était désorganisé dans l'élémental de son corps physique. Donc, tout ce qui est relié au système des cinq sens, au sens extrasensoriel, tout ce qui est lié à la peau, tout ce qui est lié à la gestion de l'énergie, à la circulation de l'énergie dans le corps. Bon, tout ça, tout tous était brouillé. Tous les systèmes, quoi. Oui. Bah oui. Bon. Mais plus au niveau de la vue, il y a aussi quelque chose lié au fait d'avancer quand même sans voir la situation. C'est-à-dire que cette charge qu'elle avait accepté de prendre avec elle et sur elle, et de fonctionner avec, et malgré tout, de maintenir l'équilibre malgré tout, c'est je me bouche les yeux et j'avance quand même. Je fais le job quand même. Ok, bon. Je suppose que pour cette nouvelle ligne de temps, il n'y a plus rien. Non. Que maintenant, elle voit clairement. Oui, là, c'est clair. En fait, c'est le système visuel qui s'était comme auto... Il avait fermé les portes. Mmh. Auto-limité. C'est ça, il s'était limité. Ne rien voir, ne rien entendre. Mmh. Bon, on va inclure tout le système, les systèmes ORL. Avec les cinq sens, etc., et tous ces systèmes, en fait, globaux. On va dire que tout ce qui a été impacté, hein, regarde oui. Si pour tout ça, il y a des traces, mémoire ou empreintes, s'il y a des programmations, s'il y a des traumatismes, s'il y a des habitudes ou autre chose.
Donc, il y a des mémoires, des habitudes de fonctionnement, des empreintes et des traumatismes. Alors, partout où ça se trouve, sur tous les plans comme précité, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, chacune des parties va être réinformée, stabilisée, Oui. connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. On programme la stabilisation, sécurité, on sécurise et on pérennise. Oui. Bien. Et on va insuffler de la force de vie, de la vitalité pour toutes les parties concernées, à commencer par son système visuel, mais chacune des parties qui en a besoin, en fait, globalement. Oui, c'est fait. Bien. Alors, donc, il y a son système digestif. Regarde si, avec ce qui a été fait, il a été concerné par le travail ou s'il reste quelque chose à faire. Elle rajoute de la force de vie de façon plus spécifique, de la force vitale. Ok. Et pour stabiliser, pour maintenir et stabiliser. Très bien. C'est bon. Donc elle a été concernée aussi par les mémoires, tout ça. Oui, là, il n'y en a plus. C'est bon. D'accord. Ok. Donc la lymphe qui est au ralenti, regarde son système lymphatique. Regarde si maintenant ça circule bien, si il a été concerné par ce qu'on vient de faire. Oui, c'est fluide. Bon, besoin d'un coup de pouce. Vitalité. Oui, elle fait la même chose, mais c'est non pas qu'il y en ait besoin maintenant, mais pour stabiliser la pérennisation. Très bien, allons-y. C'est fait. Bien, pour sa rate également, on va dire tout le système digestif, rate, pancréas, estomac, etc. Regarde si tout ça a été concerné par ce qu'on a fait. Oui. Mais est-ce que tu vois quelque chose de spécifique à faire sur l'un de ces organes? Non, tout est correct. Ok. Besoin de vitalité également? Là, c'est pareil, elle rajoute de la force vitale pour stabiliser et pérenniser. D'accord. C'est bon. Bien. Alors, son système de grands muscles, bon, j'arrive pas à prononcer son mot, hein. Je l'ai même mal écrit, c'est pas grave. Donc, ce grand muscle qui relie donc les articulations de la hanche, au diaphragme, etc. Abdominaux, abdominal. Donc, regarde au niveau donc la mobilité de la hanche. Est-ce que c'est réglé ou pas? Ou est-ce qu'il y a un travail spécifique à faire? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de s'ajuster et de se régler. C'était dû à tout ce déséquilibre énergétique qu'elle avait en elle et à cette stabilisation de ces deux types de mémoire biologique. D'ailleurs, tu veux dire qu'elle était en cours de stabiliser tout ça? Elle arrivait à rendre compatibles ces deux essences? C'est ça que tu veux dire? Oui, elle était toujours en tentative de rendre compatibles ces deux essences, mais avec parfois des déséquilibres. Donc ça faisait partie des déséquilibres qu'elle n'était pas parvenue à compenser. D'accord. Je croyais que tu me disais qu'elle était sur le point de justement d'arriver à harmoniser tout ça. Non, c'est en train de s'harmoniser maintenant. Ah d'accord. Y a-t-il besoin d'un coup de pouce? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a des mémoires, traces, empreintes? Est-ce qu'il y a des traumatismes ou autre chose? Des mémoires et des empreintes y restent. Est-ce qu'il y a des habitudes de fonctionnement? C'est des habitudes de fonctionnement de compensation et ça crée une suite de micro-traumatismes les uns après les autres. Ok, regarde où sont inscrites ces habitudes de fonctionnement de compensation. Alors, c'est dans le système neuronal, et dans le système nerveux central aussi, et au niveau des cellules concernées, qui ne recevaient pas exactement le même type d'information à gauche et à droite.
Très bien. Alors, on va éliminer tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3, partout où ça se trouve, vu ou pas vu. Oui. Donc, on va rééquilibrer, réinformer, stabiliser. Oui. On connecte chacune des parties au cœur, au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. On stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et s'il y a besoin d'un petit peu de force, de vitalité, on rajoute. Oui, c'est fait. Bien. Alors, donc, elle a eu des problèmes de vaccination lorsqu'elle était petite. Elle est tombée malade. Regarde si. Et puis, donc, elle a été vaccinée plus tard aussi, avec l'hépatite B. Regarde s'il en reste quelque chose aujourd'hui dans son corps. Il reste des mémoires, des empreintes et des traumatismes. D'accord. En termes de substance, il n'y a plus rien. C'est en mémoire, ça reste en mémoire. Ok. Alors on élimine tout ça, partout où ça se trouve, sur tous les plans. 1, 2, 3. Comme précité. C'est fait. Bien. Alors on va donc réinformer chacune des parties concernées et stabiliser. Oui. On connecte au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et on stabilise, on sécurise et pérennise. Oui. Bien. Alors, regarde maintenant si, avec tout ça, il reste des séquelles par rapport à ces vaccins, sur le plan physique et sur les autres plans. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Il reste des mémoires de désorganisation, de désynchronisation des systèmes biologiques. D'accord, elles sont inscrites toutes ces mémoires. Ça a comme été une série d'explosions ou de coups de poing successifs qui ont résonné dans tout son espace énergétique. Ok, Donc alors il y a des traces partout. partout où ça se trouve et sur tous les plans, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non, c'est bon. Bien. Alors, au niveau des intestins où elle a été opérée, on lui a enlevé une partie. Regarde. Donc, si, comment est-ce que tu les vois maintenant avec ce qui a été fait? Alors, l'énergie est fluide. Et là, c'est pareil, elle y rajoute de l'énergie vitale pour stabiliser et pérenniser. Est-ce qu'il reste des mémoires et des traumatismes ou autres? Mémoire et traumatisme. Alors, on élimine 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. C'est fait. Bien, on va réinformer chacune des parties et stabiliser. Oui. On connecte au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Stabiliser, donc sécuriser et pérenniser. C'est fait. Et on y voit de la paix, de la vitalité. Oui. Bien. Alors, il y a eu des agrafes qui ont été posées, des agrafes métalliques. Regarde si elles ont une action, on va dire une action indésirable dans son corps. Alors maintenant, non, elle les a intégrés, isolés, intégrés, désactivés dans ce qui vient d'être fait. D'accord. Donc, il n'y a rien à rajouter. Non. Parfait. Donc, au niveau dentaire, et donc ces implants, etc., regarde si, avec ce qui a été fait, tout est régularisé. C'est la même chose, c'est ce qu'elle a fait tout à l'heure. Bien. Parfait. C'est-à-dire qu'il y a l'information qui a été modifiée au niveau des éléments, dans la structure des éléments non biologiques. Elle y a intégré ses propres fréquences, sa propre information biologique. Bien, on peut dire que c'est parfaitement intégré. Oui. Parfait. Regarde si dans son corps il y a des métaux lourds. Oui, des mémoires et des traces.
Bien. Alors, on va éliminer partout où ça se trouve. En termes de métaux lourds physiques, tu n'en vois pas? Si des traces. Des traces. D'accord. Alors, on élimine tout ça. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans, partout où ça se trouve, comme précité. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois au niveau nanoparticules? Est-ce que tu vois des choses? Oui, c'est pareil, il reste des traces aussi et des mémoires. Ok. Alors de la même façon, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Parfait. Alors, autre point, donc lorsqu'elle était enfant, et même jusqu'à récemment, juste avant donc le confinement, elle avait des qualités de télépathie, de médiumnité. Qu'est-ce qui a fait que depuis le confinement, elle a perdu ça? C'est à cause de ces couvercles-là. Mais pourquoi le confinement? Il y a longtemps qu'elle les a ces couvercles qu'elle Oui, mais ces couvercles se sont alourdis, densifiés depuis le confinement. Et elle l'a ressenti puissance 10 par rapport aux autres êtres humains. Qu'est-ce qui l'a C'est alourdi? pour ça que Qu'est-ce c'est que venu l'affecter elle plus particulièrement, que ça l'a impacté elle plus particulièrement, parce qu'elle a ce type de sensibilité particulière, qui lui fait ressentir les choses ou certaines choses que ne ressentent pas la plupart des autres êtres humains. Donc pour ce, c'est une protection en fait, pour ne pas ressentir directement l'effet discordant et étouffant de ces sortes de couvercles, elle a désactivé elle-même ses canaux sensoriels. Très bien. Alors, en quoi ce confinement lui a permis de ressentir ce couvercle encore plus intensément? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elle ressent les choses, c'est en raison de sa sensibilité particulière. Oui, mais elle le Puis ressentait c'est avant également. Pourquoi depuis le confinement? parce que ces couvercles se sont densifiés, intensifiés, la pression sur les humains est devenue beaucoup plus importante. D'accord. Et regarde qu'est-ce qui a densifié et intensifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme un couvercle, mais palpable, d'anxiété qui est descendu juste au-dessus de la tête des humains. Ah, d'accord. C'est un Donc, couvercle d'émotions humaines. oui, c'est comme une cocotte minute. C'est comme si au-dessus, ils avaient fermé le couvercle de la cocotte minute. Donc, les humains peu sensibles ne le sentent pas ou peu. Mais ceux qui sont plus sensibles, soit se débranchent eux-mêmes, se désactivent eux-mêmes, soit le ressentent vraiment douloureusement, jusqu'à la limite de même certains tombent d'un point de vue fréquentiel. Ok. Ils chutent littéralement. Donc elle a coupé. Elle a coupé pour ne pas tomber. Ok. Regarde maintenant avec ce qu'on a fait. Je suppose que tout est maintenant tout est rétabli. Toutes les connexions sont faites. Tout est sécurisé. Oui. Et bien sûr, il n'y a plus de couvercle. Alors, le couvercle au-dessus de l'humanité est là, ou Oui, les mais elle. couvercles, parce qu'il y en a plusieurs. Je parle de son couvercle individuel. Mais son couvercle individuel n'est plus là. Et par rapport au couvercle collectif auquel elle est reliée, forcément, de par la nature même de son humanité, elle y a créé un espace d'adaptation. Donc, il n'y aura pas d'impact sur elle, tu veux dire? Minimiser. S'il y aura toujours un impact, parce que si, comme, c'est comme une fenêtre que tu ouvres et que tu fermes.
Si elle ferme complètement sa fenêtre intérieure, ses sensations, ses perceptions, elle se coupe de sa propre humanité et elle se coupe aussi des autres êtres humains. Donc elle ne referme pas complètement la fenêtre. Elle l'entrouvre pour garder le contact avec son humanité et avec les humains, mais juste entrouverte pour ne pas en ressentir douloureusement les effets de ce couvercle. Il y a une autre solution aussi, c'est d'ouvrir complètement la fenêtre et de augmenter ses fréquences pour ne plus être assujetti à tous ces phénomènes. Aussi, ça peut être une autre solution. Elle est la plus... solution. Elle est plus radicale parce que ça opère aussi une sélection quant à ses fréquentations humaines. Donc, si elle élève trop ses fréquences, ça la coupera de certains êtres humains avec lesquels elle n'est pas prête à couper. Ou alors, il faut que l'ensemble monte en fréquence. Ok. Ou alors, par voie de synchronisme, il y a des ajustements aussi. Mais il y a des ajustements à faire. Il y a des choix à faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se met en place là, maintenant, ça n'est pas figé dans le temps. En fonction de ses choix ultérieurs, de ses adaptations, de ses choix d'adaptation ultérieurs, elle pourra prendre des orientations différentes, notamment en termes d'élévation de fréquence, suivant les... Mais c'est en fonction aussi des personnes qu'elle aime et qui l'entourent. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, il n'y a pas de réponse ou de solution ferme, claire et définitive. Mmh. Alors, effectivement, par loi d'attraction, en élevant ses fréquences, elle rencontrera des personnes qui sont aux mêmes fréquences. Mais ça veut dire, quelque part, quitter... changer de paradigme. Mmh. Ben oui, et c'est l'évolution. C'est ça. Mais il y a des étapes. C'est comme si ce n'était pas nécessaire qu'elle coupe brutalement. Ce serait plus préjudiciable qu'autre chose. Donc, elle souhaite vivre ces étapes. Ça permet aussi d'en expérimenter chacune d'entre elles. Mmh. Oui, mais si dans sa physicalité, elle décide de le faire quand même. Il n'y a rien à décider là tout de suite. C'est elle qui prendra les décisions, mais en cours de métabolisation. En tout cas, elle a l'information. Oui. Elle en connaît les conséquences et aussi les avantages. C'est ça, plusieurs voies sont possibles. Bien. Parfait. Alors, à la question qu'elle posait de savoir comment se rendre invisible dans la matrice, qu'est-ce qui peut lui être répondu? Là, c'est pareil, plusieurs voies sont possibles. Et il n'y a pas de réponse absolue, ferme et définitive et qui solutionne tout. Mmh. Bien sûr. Bon, donc, déjà, l'élévation de la fréquence est une voie. Oui. Déjà, puisqu'on ne donne pas prise à tout ce qui est matriciel, plus on s'élève en fréquence et moins il y a de prise. C'est ça. D'autre part, dans le protocole, il y a le numéro d'INSEE. Quand nous le coupons, ça rend aussi de l'invisibilité. Mais on garde quand même ce qui est utile. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Non, il peut être préjudiciable... Il ne faut pas tout bannir, oui. Puisqu'on vit dans ce monde. D'être complètement invisible aux yeux de la matrice. Parce que ça lui ferait perdre même jusqu'à son identité. Et ça, c'est préjudiciable à l'expérience humaine. Bien sûr. Donc, il est nécessaire pour la bonne appréciation de l'expérimentation... et de rester visible.
Oui, il faut que tous les plans soient nourris pour C'est ça. donc que l'expérimentation soit complète. Oui. Voilà. Après, c'est dans l'art d'être, hein, l'art de vivre. Oui. Très bien. Être une artiste de vie. Oui, c'est-à-dire qu'elle choisit le plan dans lequel elle veut évoluer, mais au sein de cette matrice. Donc, suivant le plan choisi, et ça c'est directement relié à son niveau fréquentiel, va la rendre plus ou moins visible. Mais il y a toujours un juste milieu à trouver, un équilibre. Tout à fait. En tout cas, on ne peut pas couper complètement avec tout le système matriciel. En tout cas, ce n'est pas souhaitable. Non. Bien. Alors, l'autre question qu'elle posait, c'est lorsqu'elle va se libérer de se désincorporer, est-ce qu'elle va se libérer de la matrice? Alors, Alors, c'est dans le cadre de ce travail, hein. là aussi, c'est directement lié à son niveau fréquentiel. Voilà. La sortie de la physicalité en fréquence basse rattache au plan terrestre. Et les chaînes peuvent être très lourdes, les liens très puissants et solides. Plus les fréquences sont légères, plus le détachement du matériel est présent, plus ça se fait facilement. Voilà. Mais l'état présent là d'aujourd'hui n'apporte encore une fois non plus pas de réponse définitive. Ben non, puisqu'elle va évoluer, C'est ça. la vie est mouvante et tout dépend de ce qu'on en fait. Oui. Donc si elle quitte ce monde dans la joie, la confiance, la légèreté, c'est direct C'est la ça. source. Il y a même des plans de conscience dont elle n'a pas conscience aujourd'hui qu'ils soient là ou qu'elle puisse y accéder et qui vont se présenter à elle. Donc qu'elle les aborde avec confiance, qu'elle aborde la suite avec confiance, simplement. Très bien. Alors, une autre question par rapport à ses rêves. Donc, elle aimerait savoir dans ses rêves, sur quel plan elle se trouve lorsqu'elle rêve. Elle demande si elle est programmée et si elle a interféré pendant ses rêves. Elle se retrouve pendant ses rêves dans une sorte de bulle d'espace-temps, d'inconscient collectif, Alors, il y a effectivement de la programmation qui s'y passe, mais elle n'est pas obligée d'y adhérer ni de l'accepter. Se libérer ou se reposer de la pesanteur de l'état d'éveil. Elle va s'y réfugier dans ses rêves par une sorte de facilité, parce que c'est facile, parce que c'est dans cet endroit-là que vont la plupart des humains quand ils rêvent. Mais c'est aussi comme des couloirs de programmation qui sont présents. Donc elle peut choisir de refuser cette programmation. Elle peut le faire avant de s'endormir et au réveil. Oui. Voilà. Et affirmer qu'elle rompt tous les liens, qu'elle rompt toutes les programmations et qu'elle rompt tout quoi. Voilà, tout ce qui s'est passé pendant son sommeil. Tout ce qui est nuisible Oui. en tout cas. Et Oui, et à limitant. part et à partir de là, quand elle aura bien intégré ses Eh bien, était dans le ressenti de ce refus de programmation au niveau de ses rêves, elle va s'apercevoir de changements. Ça va être plus léger. Elle va aller dans des strates plus légères où c'est plus facile de se déplacer et de décider de ses rêves. C'est-à-dire qu'elle va choisir ses mondes oniriques. Mais dans une deuxième phase, déjà la première phase, c'est prendre conscience du refus de la programmation. Donc quand tu te réveilles, tu dis annuler, supprimer tout ce qui est nuisible et limitant. Voilà. Chut. Tout ce qui n'exprime pas le meilleur de mon essence. Est-ce que c'est correct, Emmanuel? Oui. Bien. Ok. Alors, on va regarder maintenant au niveau de son corps mental.
Je veux que tu ailles voir toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qui sont derrière. Dans le mental, il y a des programmations de suivre le chemin qui est montré, suivre les panneaux indicateurs et ne pas se poser de questions, ne pas regarder ailleurs, suivre la programmation, dérouler la programmation. Quelle croyance elle a développée à partir de ça? Ou quelles règles elle s'impose? Elle s'impose la règle de ne pas se perdre, parce qu'il y a quand même... elle voit bien qu'il y a des chemins de traverse en dehors de cette autoroute imposée, mais elle tente de garder le juste milieu, mais sans oser trop s'aventurer sur ces chemins de traverse. Parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle-même. Il y a une dévalorisation d'elle-même, une perception qui n'est pas correcte d'elle-même, de ses propres capacités. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience de sa propre puissance. D'accord, donc elle se croit limitée, quoi. C'est ça. Donc elle se dévalorise elle-même. Ok. Donc ça veut dire aussi qu'elle ne s'autorise pas ? Oui, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit... et aussi par peur de se perdre. Ok. Alors, regarde son corps émotionnel et tous les sentiments et les émotions qui sont liés. Ça crée de la frustration, de la tristesse, de l'incompréhension, du découragement, mais une fatigue. Ça lui fait perdre beaucoup d'énergie. Quoi d'autre? Mais c'est tout, c'était dit. De l'estime de soi, de la valeur de soi. Oui, mais ça a été dit déjà. D'accord, ok. Alors, nous allons aborder maintenant le thème des 5 blessures principales, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Je veux savoir celles qui sont prédominantes dans sa vie et comment elles s'expriment. Elle se sent trahie par son corps, trahie par la condition humaine, trahie par l'accord qu'elle avait accepté. Elle se sent abandonnée à son... Alors, c'est abandonnée à son triste sort dans sa condition humaine. Il y a de l'injustice. Elle trouve ça injuste. Et elle se sent rejetée et abandonnée, mais de son soi supérieur et de sa partie subliminale. Et au niveau de l'humiliation? Elle ressent l'humiliation de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur sa physicalité. Parce qu'elle ressent en arrière-plan qu'elle est plus que ça, que ça lui échappe. Et elle voit bien que les autres êtres humains, ou la plupart en tout cas, ne fonctionnent pas comme elle, ne réagissent pas comme elle, n'ont pas les mêmes difficultés. Donc il y a une sensation de dévalorisation et d'humiliation par rapport à ça. Si elle se sentait plus petite ou en creux par rapport aux autres, ou en tout cas par rapport à certains humains qui, eux, semblent très bien se sortir de toutes les situations humaines. Bien. Regarde les masques que ça lui permet de porter par rapport à ses blessures. Elle fuit, elle se réfugie dans un espace dont elle ne bouge pas. Parce qu'elle ne se sent pas autorisée ou pas capable d'aller au-delà, d'aller voir le monde extérieur. Donc elle a créé une sorte d'espace rigide, avec des portes rigides,
Elle reste à l'intérieur pour garder le contrôle. Cette tentative de prendre le contrôle et de fuir, de se cacher à l'intérieur. Elle en a créé une dépendance par rapport à ce type de comportement. Elle est comme repliée sur elle-même. Mais encore une fois, c'était par protection, un petit peu comme quand tu sens que tu n'as pas suffisamment d'armes, tu n'as pas suffisamment de force pour résister au vent violent, donc tu te replies sur toi-même. Et tu restes caché là, dans cet espace, en attendant que ça passe. Un sentiment de fragilité et de vulnérabilité, c'est ça ? Oui. Ok. Bien. Alors à présent, tu vas remonter aussi haut que nécessaire pour trouver la racine mère de tout cela. Dis-moi où ça te conduit. Ça m'amène à ce moment où elle est poussière d'étoiles en attente, tranquille et presque passive. De savoir où est-ce qu'elle va se poser, où est-ce qu'elle va manifester des formes de matérialité plus abouties que ce qu'elle est à l'état présent. Et alors, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a cet élément qui arrive, nouveau, qu'elle ne connaît pas, cette acceptation qu'elle fait, et elle se sent trahie dans cet accord, comme si elle n'était pas la sensation de ne pas être gagnante dans cet accord qu'elle a conclu à ce moment-là. Et ça a généré en cascade toutes ces blessures qui ont été évoquées. Très bien. Et pourtant, sa partie subliminale trouvait ça intéressant. La partie subliminale, c'est développé après. C'est-à-dire que quand elle était à cet état de poussière d'étoile, elle sortait juste de l'étape du soi supérieur. Donc la construction partie physique, âme et partie subliminale s'est faite ensuite. D'accord. Oui, elle développe les corps en fonction de sa descente dans la matrice. C'est ça. Donc la partie subliminale ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants, c'est ça ? Non. Une fois cette étape-là de descente dans la matière, les différentes parties ont chacune leur autonomie. Et elle découvre en quelque sorte le programme qui est proposé. D'accord. Alors, à part cette expérience donc de poussière d'étoile, quel est le traumatisme encore antérieur ? Au niveau du soi supérieur, elle a développé plusieurs premières étapes de manifestation de son soi supérieur. Il y en a plusieurs en tant que poussière d'étoile, parce que c'est une base presque unicellulaire, où c'est l'analogie que je peux faire, et qui comporte le maximum de possibilités, de potentialités. Ok. Est-ce que toutes ces parties sont interreliées ou pas ? En partie seulement, c'est en arrière-plan, parce que tout est relié, mais ça n'est pas activé. C'est-à-dire que la reliance est là, mais elle n'est pas activée. Est-ce que c'est nécessaire de l'activer ? Non, ça n'est pas nécessaire. Ok. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était activé une fois le nettoyage fait ?
ça viendra comme éclairer la pièce dans laquelle elle se trouve. Donc c'est pas mal quand même, non? Oui, mais c'est comme s'il y avait une sorte de première étape à intégrer avant d'allumer la lumière, quelque chose comme ça. Donc elle peut le programmer. Oui. Très bien. Alors nous le programmons tout à l'heure. Oui. On va d'abord terminer ça. Mm-hmm. Bien, maintenant, donc, quel est le traumatisme qu'elle a vécu à ce moment-là alors? Du fait de, au sortir du soi supérieur et toutes ces parties donc qui se disséminent, comme analogiquement unicellulaire. C'est un abandon. Elle le ressent comme un abandon. Une sorte de dispersion. C'est-à-dire que chacune de ces parties de poussière d'étoile ressent cette sensation d'abandon. Sans avoir suffisamment de bagages. Est-ce qu'elle le sent comme une division? Oui. Une diminution de soi? Oui. D'accord. Et en amont, qu'est-ce que tu vois d'autre alors? C'est la séparation d'avec la source. Oui, qu'est-ce qu'elle ressent là? Le rejet. Rejeté par la... Rejeté par l'unité, rejeté par la source. Dans quelque chose de, d'inhospitalier. C'est un petit peu comme la même sensation que l'enfant sur le point de naître, de sortir du ventre maternel, où là tout est connu, sécurisé, agréable. Confortable et tout à coup il est poussé vers l'extérieur dans l'inconnu et le froid et la solitude, mais c'est la même sensation. Et pour premier contact, une fessée. Ok, bon, très bien. Alors tu reviens ici maintenant. Oui. Bien. Demande-lui maintenant si, au vu de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle comprend, tout ce dont elle se rappelle, puisque nous savons que c'est plutôt un rappel, comment, de sa situation, comment elle voit maintenant tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent et toutes ses aventures, dans toutes ses formes d'expression, jusqu'à la source. Elle en contemple la richesse d'expérience. Et ça, ça lui plaît. Parce que de la perspective où elle se trouve, le temps n'est pas linéaire. Donc, elle est au-dessus du tableau du temps. Elle voit d'un seul regard. Elle perçoit tout. Quelle vision elle a de tous ces, on va dire... tous ces enjeux, de toutes ces souffrances, de tous ces défis. Comment est-ce qu'elle voit ça de son point de vue? Alors, de cette perspective-là, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tout est correct, tout est expérience de cette perspective-là. Les souffrances n'apparaissent pas en tant que souffrances. Encore une fois, de cette perspective-là, c'est perçu comme anecdotique. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir? De cette perspective-là, elle voit simplement un tableau très coloré, agréable à regarder et extrêmement riche en informations. Est-ce que ça lui donne du plaisir? Oui. De la joie? Oui, le plaisir du travail accompli, parce qu'il y a aussi ce que nous on appelle le futur qu'elle perçoit. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'elle voit que tout ça, ce sont que des scénarios et que c'est de l'illusion?
Oui, ce ne sont que des scénarios d'apprentissage. Là, elle perçoit la trame, la structure qui sous-tend le dessin. Et de ce point de vue-là, c'est passionnant et intéressant, quel que soit d'ailleurs le chemin choisi. Bien, ok. Alors, je veux que dans cet état d'esprit, dans cette nouvelle compréhension, cette vision des choses, je veux qu'elle retourne à la source et qu'elle fasse le chemin, donc la descente, dans ces nouvelles conditions. Je veux savoir comment ça se passe pour elle maintenant. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir de la source, du soi supérieur, jusqu'à sa physicalité? Elle se sent pousser des ailes et elle s'envole avec plaisir. C'est une attente joyeuse. C'est même pas une attente, c'est elle qui se dirige vers ce qui se présente à elle et ce qu'elle co-crée au fur et à mesure de son avancée. C'est du plaisir. Rien. Donc tu veux dire qu'elle ne passe pas par le cycle d'oubli. Elle se rappelle de sa nature éternelle et indestructible, Oui. puissante et omniprésente, omnisciente, Oui. omnipotente. C'est tout Oui. ça qui lui donne des ailes. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas glissée malgré elle. Elle s'envole avec ses ailes puissantes, ce qui lui permet d'apprécier chaque étape, chaque seconde. Bien. Et au sortir du soi supérieur, comment est-ce qu'elle le vit? De la même façon, ça lui permet de choisir les situations au lieu de les subir. Parfait. Et bien maintenant, je veux que dans ce même état d'esprit, dans tout ce ressenti, ses sentiments, ses émotions et autres, qu'elle l'incorpore dans toute sa physicalité, toutes ses parties d'elle, de Oui. plus infime au plus global, et qu'elle le ressente puissamment. Dans sa Oui. souveraineté, sa liberté intérieure, son invulnérabilité, sa nature éternelle, sa puissance, sa créativité illimitée, la joie qu'elle est et l'amour qu'elle est. Oui. Et elle décide maintenant, du moins elle sait que rien ni personne ne peut l'atteindre ou la toucher si elle le décide. Oui. Bien. Je veux qu'elle le ressente comme une puissante confiance en elle, une puissance tranquille. Oui, elle a cette tranquillité intérieure. Et elle ressent sa puissance là maintenant. Très bien. Alors maintenant, dans cet état-là, elle va remonter dans toutes ses formes d'existence jusqu'à la source pour réinformer chacune d'elles dans cette énergie. Cette conscience, cet état d'être. Oui. Et de la source, elle revient ici et maintenant, enrichie pour boucler la boucle. Oui. Comment tu la vois à présent? Invulnérable. Bien. Et c'est maintenant qu'elle va programmer ses futures connexions, lorsque ce sera le moment, avec toutes les parties d'elle dans cette unité. Maintenant, oui, c'est correct. Bien. C'est bon. Ok. Alors, un autre point, donc c'est par rapport à son. Déjà, elle va se programmer, mais je suppose que c'est déjà activé par rapport à l'abondance, que ce soit financier ou sous toutes ses formes, puisqu'il n'y a pas que l'argent. Toute forme d'abondance. Elle va maintenant se programmer à cette ouverture où l'abondance circule facilement, agréablement et joyeusement dans sa vie. Dans la facilité, la grâce et le plaisir. Car l'abondance est un état naturel de l'être. Tout le reste, c'est du mensonge, c'est de la fausseté, c'est de la déviance. Oui, c'est fait. Mais elle a ouvert ses ailes, donc ça permet à l'énergie de circuler, y compris celle de l'argent. Oui, mais je voulais qu'elle l'entende quand même. Mmh. Il faut que les parties humaines entendent, tu sais bien. Mmh. Très bien. Et il faut qu'elle le ressente surtout. C'est ça l'incarnation, c'est ressentir.
Oui. qu'elle en sente même le plaisir, la joie qu'elle anticipe, comme si tout était déjà là. D'ailleurs, tout est déjà là. Oui. Bien. Au niveau de son activité, donc bon, il y a ce qu'elle fait actuellement dont elle a parlé. Voilà, elle aimerait savoir s'il n'y aurait pas de meilleur moyen de manifester sa créativité, de prendre du plaisir, de participer au collectif, de créer son abondance et de se sentir. Mais ça a déjà été évoqué tout à l'heure et elle c'est comme si elle s'était créée cette base-là, en fait, va lui servir. D'accord. C'est comme si elle savait déjà par avance ce qui allait se passer. Et donc, ça n'est pas pour rien qu'elle a fait ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc numérologie, astrologie, tout ça, Grabovoi, tout ça, c'est ça lui correspond? En partie, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Dans quel type? N'y a pas de réponse parce qu'il y a une multiplicité de possibilités. Elle aura les inspirations nécessaires, c'est ça? Oui. Hein? Les intuitions, les ressentis, les synchronicités. C'est comme si elle allait par étapes. C'est-à-dire tout à l'heure, elle a évoqué ce qu'elle faisait professionnellement. Ça, c'est une première base, c'est une première étape qui n'est pas à négliger parce qu'elle va venir s'y appuyer. Et ensuite, il y a une sorte de, comme si elle cherchait à chaque fois une sorte de justification. Donc, elle commence par ce qui est le plus, ou ce qui lui semble être la base la plus mathématique ou la plus scientifique ou quelque chose comme ça. Et ça fait des couches, clac, 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 et ça va monter jusqu'à des choses beaucoup moins denses, beaucoup moins cadrées. Plus énergétique. Bien. C'est-à-dire, elle va du plus cadré vers le moins cadré, comme si jusqu'à présent, elle n'avait pas osé passer certaines limites. Très bien. Ok. Maintenant, elle va exiger le meilleur pour elle. C'est-à-dire que petit à petit, elle va s'affranchir des règles. Donc, elle a commencé par le plus carré, le plus ficelé. Et puis petit à petit, elle va s'en affranchir de toutes ces règles. Bien. Alors, il y a une question qu'elle a posée qui m'intéresse aussi par rapport à l'astrologie. On sait que la Lune est artificielle. Malgré tout, elle a sa place dans le thème astrologique. J'aimerais savoir quelle est son influence, en fait, quelle est la réalité de l'influence qu'on lui donne dans les thèmes astrologiques, compte tenu de sa nature artificielle. Peu importe qu'elle soit artificielle ou pas, les thèmes astrologiques ont leur réalité dans cet espace terrestre. Et que ce soit artificiel ou pas, il y a les influences quand même. D'accord, suivant les aspects, et suivant la nature des personnes, c'est Oui, ça? oui. Hein? D'accord, bon, bon. Parce que ça concerne bien les consciences qui sont incarnées dans cet espace terrestre. Très bien, donc elle est parfaitement légitime en Oui. ce qui concerne sa place dans un thème astrologique. Oui. Parfait. Très bien. Bon, alors donc on va inviter celui qu'elle appelle son chéri, Oui. son fils, Oui. ses quatre frères et mes soeurs, ou non, ses quatre frères, pardon. Oui. Voilà, est-ce qu'ils sont tous là? Oui, ils sont là. Bon, elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de profiter de cette opportunité. Est-ce que tous saisissent cette occasion? Oui. Oui. Alors c'est comme si les frères, ils étaient un petit peu moins persuadés, on va dire, mais ils sont là quand même. Bon, ok, en tout cas, ils prennent l'information, puis ils verront. Oui. En tout cas, pour tous ceux qui le choisissent, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Bien, alors pour chacun, on va éliminer toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine.
avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis espace-temps, dans tout ce qui est caché et secret, et dans tout ce qui est inconnu, etc. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle christique, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Et Fatia, j'ai oublié son prénom, donc à l'instar de ce qu'a fait Fatia, et adapté bien sûr à chaque situation. Oui. Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Ok. Donc, nous allons continuer le protocole. Au niveau de tous ces noms et prénoms, nous allons couper tout ce qui est en lien avec la matrice, tout ce qui est limitant. Couper et dissoudre les racines. C'est fait. En ce qui concerne, donc... ah oui, regarde s'il y a des liens toxiques. Oui. Bien, alors elle les coupe et elle dissout les racines. C'est fait. Bien. Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang ou des prélèvements, des ongles, des cheveux, ADN, cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtil et physique, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace mort au ciel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Qui, je le rappelle, c'est le point zéro. Processus de rajeunissement et de régénération. Elle active la particule divine dans son cœur. Oui. Elle active les fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. On va programmer donc la permanence, l'équilibrage, la sécurisation donc de tous ces programmes. C'est fait. Bien. Guérison instantanée pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace mort au ciel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre donc code, énergie et information. Oui. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de création. Oui. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lémiscate. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et elle se l'enduit partout où c'est nécessaire. Oui. On le programme pour être stable, équilibré, permanent et sécurisé. C'est fait.
Maintenant, on va regarder, tu vas me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement cette séance. Entre 6 et 8 mois. Est-ce qu'il va y avoir des effets rapides, hein, et lesquels? La sensation d'être, sa sensation de son ressenti intérieur, ça change. Elle se sent plus stable, plus forte, plus sûre d'elle-même. Bien. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus à la métabolisation? Il y a des moments de flottement, comme si elle était entre deux, qu'elle flotte. C'est les moments d'ajustement entre deux plateaux. Ça fait partie de la métabolisation. Ok. Donc, on va regarder maintenant son domicile. Je veux que tu me dises comment tu le vois. Les énergies sont assez brouillées, enchevêtrées. D'où est-ce que ça vient? De sa situation énergétique antérieure. Bien. Est-ce que tu vois sous son domicile des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, ça vient d'elle. Ok. Alors, elle fait une grosse tornade, elle détruit tout. Surtout des plans. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double lémniscate activée. Oui. Voilà, elle les stabilise et elle les pérennise. Oui. Sur son compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Elle y appose une fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. C'est fait. Donc elle stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie, Oui. qui va par ailleurs produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Pareil, elle stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Sans contour d'eau, on installe le filtre. Sans le détailler, Oui. pareil, elle le stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle-même également dans une bulle de protection, une bulle christique. C'est fait. Et s'il y a d'autres habitants dans cet espace et s'ils le veulent également. Oui. Bien. Donc nous allons sécuriser tous les états de conscience, protéger et sécuriser. Oui. Relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa version la plus courte. Oui. Elle fusionne et s'expanse. Oui. Elle vibre, rayonne et irradie. C'est fait. À l'intérieur, son élémental, Oui. toutes ses bulles d'intention et de création, Oui. fleurs de vie, graines de vie et double lémniscate activée. Oui. Et autour, le corps diamantin. Oui. Donc, elle a programmé, sécurisé également. C'est bon. Nous allons programmer également la stabilité, la sécurisation, l'inviolabilité de toute la phase de métabolisation et Oui. toute la séance du début jusqu'à la fin, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, dans tous les plans de réalité, les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. C'est fait. Très bien. Donc, inviolable et ininfluençable pour les deux. Oui. Demande à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait.
Quand il envoie des signaux à la partie physique, cette fois-ci, le retour est coloré, vif et rapide. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a une satisfaction de trouver une réponse. Parce qu'il y a un échange qui peut se faire, constructif et instructif, entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner, des choses à lui dire, un loto à donner? Bon, je rigole. Que la partie physique, la base, c'est la confiance en elle-même. C'est garder sa base de confiance, son centrage et son alignement. Que la partie physique prenne conscience de sa puissance. Ouais, c'est ça, parce qu'à partir du moment où elle déploie sa confiance, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de limite. Très bien. C'est en lien avec sa légitimité, sa valeur. Oui, c'est ça. Très bien. Son sentiment de mérite. Oui. Comme le meilleur, par exemple. Mmh. Bien. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? C'est pas la peine, puisque tu l'as vu tout à l'heure. Est-ce que tu vois qu'elle est toujours là? Il y a eu du changement? Non, elle est là, comme tout à l'heure. Ah, comme d'abord. Sa partie subliminale, comment tu la vois? Elle s'est rapprochée de la partie physique. Elle est au-dessus. Elle est en soutien à la partie physique. Elle sécurise les canaux de connexion avec le soi supérieur. Bien. Ok, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version donc de Fatia. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Bien. Alors, chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de trio de fréquences qui est composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscat activé. Oui. On connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. L'atome mère également. Oui. Particule de lumière mère, idem. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de valeur, quelle était la fréquence de Fatia avant la séance et quelle était la présente? 70 et maintenant 180. Très bien. Alors, chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prêt pour le retour? Oui. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment te sens-tu? Bien. Bon, à toi Fatia, tu pourras mettre le son. Ouais, quelle séance, c'est intéressant. Tu as eu les réponses que tu voulais. Quel travail Pascal quand même, hein. Du mérite, hein, parce que en plus il y a l'expérience, il y a l'intelligence, il y a aussi ce travail d'enquêteur, d'aller là où c'est essentiel. Voilà. J'ai beaucoup aimé. J'espère. Tant mieux. C'est le but. Oui, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré. Tant mieux. Bon, on peut toujours faire mieux. Hein, mais j'espère que. Ouais, non, mais bon. Merci. Est-ce que ça t'a parlé tout ça, tout ce qui a été vu, dit, rapporté? Oui, ça m'a. Comment dire, ça m'a surprise, notamment mon origine, enfin mon essence. Une poussière d'étoiles,
Mais de ce que j'ai compris, c'est une poussière d'étoiles, mais sans réelle conscience, c'est ça? Ah si, si, j'ai une conscience, c'est Ah, pure conscience au contraire. mais C'est pure conscience, mais sans expérience plutôt. voilà. Et donc le Voilà. soi supérieur, ce que j'ai pas compris, c'est donc le soi supérieur. Quand Emmanuel en a parlé, il n'était pas existant, c'est ça? Si, Il est sur si, le il plus existe. créé. Si, il est existant, mais il est sur le plan du non manifesté. Ah, d'accord. Voilà. C'est pure énergie, quoi. Il est quand même dans une forme manifestée, soit supérieure, hein, mais pas sur nos plans, si tu veux. C'est pas, il est sorti de la source, si tu veux. Donc c'est quand même une manifestation. Oui. Mais c'est pas dans la densité. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux dire que le soi supérieur, c'est l'esprit? Bien. Ça l'est, mais déjà, on peut dire qu'il commence à être diffracté déjà. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Il est porteur de l'énergie de l'esprit, mais c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est la source. C'est comme si L'esprit pur. l'esprit est en amont du soi supérieur. D'accord. Donc l'esprit, c'est la partie la plus proche de la source, c'est ça? C'est la source. C'est la partie dans son. C'est la Comment partie dirais-je? non Dans sa divisée. pureté, quoi. C'est la source individualisée, D'accord. quelque part. C'est-à-dire que quand il y a séparation d'avec la source, il y a toute cette information, ce feu de l'esprit, en fait, qui est là, qui descend de la source et qui ensuite passe par plusieurs étapes. Voilà. Et donc ça se diffracte en diverses consciences. D'accord. Voilà. Après, c'est par étapes. Donc, la première étape, c'est le soi supérieur. Enfin, il y en a sûrement des intermédiaires, mais en tout cas, la plus connue, c'est le soi supérieur. Et c'est du soi supérieur que viennent encore s'exprimer dans la manifestation d'autres parties qui, dans le cycle d'oubli, eh bien, vivent ces traumatismes que l'on Ouais. voit souvent. Hein. Hein? D'accord. Voilà. Ensuite, bon, ben, l'âme, ça, c'est une évidence, vu que c'est ma première incarnation, donc forcément, j'ai pas accumulé de mémoire. Voilà. Mais néanmoins, on aurait peut-être pu me greffer une mémoire Non. quand je me suis incarnée. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas que c'est pas possible, c'est pas souhaitable, c'est pas. Pourquoi tu veux greffer une mémoire? Non, mais ça aurait pu être comment dire, de la mémoire qui me soit imposée dans l'incarnation par les entités de l'astral, par exemple. Ah ben, il n'a pas eu le temps, c'est ta première incarnation, si tu veux. Ça se fait au fur et à mesure des incarnations, si tu veux. Tu vois. Toi, c'est la première, donc du coup, rien n'a eu le temps, si tu veux, de s'ancrer et de s'organiser. Tu D'accord. vois. Tu C'est comme arrives si toute neuve, tu voyages insaisissable. sans bagage, en fait. Tout est déjà Voilà. insaisissable. Voilà. Tu serais dans ta 10e incarnation, effectivement, ton âme serait sûrement chargée et de mémoire, et sûrement de programmation, et aussi de fausses mémoires, et plein de choses, comme on voit. D'accord. Mais toi, ce n'est pas le cas, tu n'as pas eu le temps. Donc, d'où cette sensation d'être un peu à contre-courant par rapport à la mémoire collective. Ah bah oui, forcément. De ne pas adhérer à. Bah c'est un monde qui t'est inconnu, donc du coup tu te sens un peu étrangère et voilà, et un peu à l'écart et enfin, mais tu peux le sentir autrement maintenant. Oui. Voilà. Tu vas le sentir autrement maintenant. Oh oui. Alors après, j'avais une question. Alors, Emmanuel a parlé de ma fréquence pré-séance. Donc, c'était 70 et post-séance, 180. À quoi ça Oui. correspond? Bah, si tu veux, c'est comme nous quand on démarre notre séance, hein, on va mesurer notre énergie pour l'augmenter à un niveau qui va nous permettre de faire le travail au-dessus de toute influence et de toute, on va dire, de toute prédation. Voilà. Donc, si tu veux, comme le travail était fait, tu es parti d'un point et tu es arrivé à un autre. Oui. Voilà. Donc, il y a une multiplication de ton énergie, c'est normal. Oui, non, mais ça, je comprends. C'est une échelle de mesure qui est établie par convention, en fait. Hein. Ça ne Voilà, correspond pas c'est pour à ça que je l'échelle de dis vos vies ou notre. des choses comme C'est ça. votre Voilà. convention, c'est ça? Oui. Voilà, c'est pour Ah, ça que je dis que je oui. précise toujours selon notre propre échelle de valeur. D'accord. C'est-à-dire que c'est notre convention à nous. D'accord. On aurait pu dire 5 000, 50 000, 10 Oui. millions, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la proportion, tu vois. Très bien, j'ai compris. Ensuite, question, qu'est-ce que la plaque Tesla?
La plaque Tesla, c'est, bah, si tu veux, c'est une plaque qui est fabriquée en Suisse selon la technologie de Nikola Tesla et qui porte de certaines fréquences et qui a une certaine action sur certains plans. Voilà. Et on a trouvé intéressant de l'inclure puisque dans l'expérience qu'on a pu faire, donc ça apporte un plus dans le protocole. D'accord. Après, Voilà. mon Tesla, je connais. J'ai beaucoup d'intérêt par rapport à son travail. Parce que c'est quand même, enfin, c'est une vie quand même exceptionnelle, hein, Tesla. Bien sûr, bah oui, bah c'était pas n'importe qui, il est pas venu apporter n'importe quoi, même si après, bon, c'est parti en autre boudin dans ces systèmes matriciels, mais bien Oui, sûr. voilà. Mais apporter l'énergie libre. Enfin, sur Terre, Ah c'est... ben, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu énormément d'inventions et de technologies qui ont été Utilisé. confisquées, volées, enfin, etc. Hein. Donc, on sait par qui. Hein. Ah oui, Mais bien sûr. bon, voilà. Bon, ben Bon, on merci. va pas aller plus loin dans la séance. Hein. Merci, merci. Et Tu as ressenti des choses? Tu as senti des choses pendant le travail? j'ai senti une chaleur qui m'est montée des pieds, qui a traversé le coccyx, la colonne vertébrale et jusque au crâne. Bien, très bien. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil, hein, c'est de revoir la séance autant que nécessaire. Hein, c'est parce qu'à chaque fois, l'information, il y a toujours quelque chose qui est de nouveau. Hein, et puis l'énergie est stimulée. Enfin, donc c'est important d'utiliser la séance de travail, Très la bien. Et vidéo. donc la vidéo, je l'aurai. Alors déjà, tu l'as sur Skype, tu peux l'enregistrer hein, sur Skype, là, sur voilà, en plusieurs morceaux. Et puis, ben, tu m'autorises donc à la publier sur YouTube? Mais flouté. Est-ce que tu veux être flouté? Oui. D'accord. Est-ce que tu as des raisons valables pour vouloir être flouté? Bah pour l'instant, je n'ai pas encore métabolisé la séance. Coquine. Bon, en tout cas, on va la flouter. Bon, j'y reviendrai pas après. Une fois que c'est fait, je reviens pas dessus parce que c'est du travail. Hein. Donc, je vais la publier floutée et puis bah, c'est déjà mieux que rien. Hein? Oui, c'est bien. Bah, après, me voir moi, enfin, c'est pas... Ah ben si, les gens adorent voir les expressions sur les visages. Hein. Ça fait partie de la séance, hein, de voir les changements, de voir les expressions. Si, ça fait. Mais bon, après, je respecte. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Bon. Voilà, après, si tu veux être cohérente avec le travail, tu me dis c'est pas métabolisé. Oui, mais en même temps, le but du travail, c'est déjà dans la confiance et de considérer comme acquis que tout est déjà là, même si physiquement tout n'est pas installé. C'est aussi dans la démarche de dire bah, même plus peur, même plus mal. Voilà, je m'assume tel que je suis, j'assume tout et puis voilà, tu vois. En même temps, c'est vrai que j'ai tendance à insister parce qu'en même temps, c'est en cohérence avec le travail. C'est où on reste dans nos protections, nos peurs, et voilà, ou alors on y va à fond et on assume complètement tout, tu vois. Parce qu'à la limite, c'est même pas la peine de faire la séance si c'est pour dire ouais, bah, je me protège. Non, mais c'est vrai. C'est être en contradiction finalement. C'est freiner des quatre pieds en disant bah, on va voir, on va voir, on va voir. Mais c'est pas être en cohérence avec le travail. Tu vois? Mais Pascal, on parle de libre arbitre, c'est ça, non? Non, non, mais On parle de il n'y a choix. pas de souci, bien sûr. J'explique ma vision des choses. Hein. Après, je respecte. D'accord? Mais la prochaine fois, enfin, quand bah sûrement je vous recontacterai pour vous tenir au courant de voilà de comment ça s'est passé, etc. Bien sûr, oui, j'espère bien qu'on ait des retours Si du ça arrive travail, oui. pas, là, ça sera pas flouté. Ah d'accord, si tu veux dire que tu veux faire Parce un témoignage filmé, oui, ça voilà, serait bien. parce que là, la séance aura été métabolisée et voilà. Pas de souci. En tout cas, il n'y a aucun problème, hein, t'inquiète pas. Même si je me suis exprimé, il n'y a Oui, mais je reste. aucun sentiment derrière, hein, t'inquiète. Voilà. En même temps, c'est pour que ce soit entendu, parce qu'il y a un public qui entend, qui écoute, et pour ceux qui vont faire le travail, ben voilà. Ça permet aussi de prendre conscience, hein, de dire, bon, ben, c'est vrai, si je fais ce travail, si je veux être cohérent jusqu'au bout, si je veux que ce soit efficace, eh bien, autant aller faire les choses à fond. Et ben, il y a parfois des gens qui ont des vraies raisons de vouloir être floutés.
hein, par exemple, qui ont un relationnel ou etc. où ça pourrait leur nuire, et puis peut-être des personnes qui voient ce genre de travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais bon, ça peut se comprendre. Donc je respecte, tu vois. C'est pour ça que je demande maintenant, est-ce que tu as de vraies raisons pour vouloir être flouté, tu vois? Est-ce que tu as de réelles raisons d'être Hein? flouté? Bon. De toute façon, vous ne la publiez pas tout de suite, la vidéo. Oh, d'ici. Non, moi, je la traite tout de suite, par contre. Hein. Elle va être traitée tout de suite, mais elle ne sera pas publiée tout de suite. D'ici une semaine, à peu près, dans Ah ces bon, eaux-là. voilà, donc j'ai une semaine pour... Non, non, comme je te dis, je vais la Non? traiter tout de suite. C'est-à-dire que dans le traitement, je prévois le floutage ou non. Et D'accord. je ne reviens pas derrière, si tu veux. Voilà. Bah... Non, mais t'inquiète pas, ne culpabilise pas. Ah ben non, ah ben non, non, Bon, non, je ne d'accord. culpabilise pas. Non. Donc, si tu veux te flouter, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Je me suis seulement exprimé, c'est tout. Hein. Emmanuel, elle se dit, ah, qu'est-ce qu'il est fort, ce Pascal. Mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il est bon quand même. Excellent. Bon, à Bon, ben, toi. je vous remercie à tous les deux. Et Oui, merci à toi. un Merci immense à plaisir. Emmanuel, hein, Merci, merci. parce que sans elle, tout, rien n'est possible non plus, et elle a d'excellentes compétences. Emmanuelle, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est irradiante. Elle irradie, elle est légère, elle a de la force. Voilà, c'est. Ouais. Je confirme. Non, Merci. ça doit être très agréable de travailler avec elle au quotidien. Tout à fait. Ouais, Absolument. vraiment. Quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, Bon, merci à vous bonne deux. soirée. Au revoir, Merci, bonne Fatia. soirée. Bonne À soirée, merci à toi. bientôt. Au Au revoir. revoir.